peut savoir ce que tu fais? Un hachis parmentier. Si c'est pas un hachis parmentier comme les autres? Non, 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 c'est avec tous les restes de la semaine. Donc pour pas faire de gaspillage, nous avons tout pris les restes de la semaine pour ici faire un hachis parmentier avec. Manger sans jeter, c'est deux fois meilleur. Alors à la cantine de l'Athénée provinciale de Leuze, on évite de jeter les restes. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est zéro gaspille et c'est sans chichi. Rassure-moi, tous les ingrédients qui ont été utilisés aujourd'hui, ils ont quand même été conservés au frigo. Oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Bien sûr, oui. Au menu, potage du jour, hachis parmentier et crumble pompoir, tout cela en utilisant les restes de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Excellent. Excellent. Franchement, il manque rien? Non. On peut le servir? On peut le servir. C'est bon et même très bon. Nicolas et ses collègues de 4e année services sociaux peuvent être fiers de leur réalisation. Que ce soit mes élèves de 4e que vous avez pu observer ici pour la réalisation du repas qu'on va pouvoir distribuer aux élèves à midi, mais même mes élèves de 5e et 6e à F, donc aide familiale, eux sont en train de réaliser aussi un petit livret pour pouvoir distribuer le jour de nos portes ouvertes, justement pour que les gens aient des idées de menus avec des restes qui leur restent dans leur frigo, tout simplement. Parce que parfois, on n'a pas tout à fait des idées, et ben là, les gens auront des idées. Manger local, sans gaspiller, ce n'est pas seulement en février, ce projet est fait pour durer. Tout au long de l'année, les élèves dans leur cours de cuisine vont avoir ce même réflexe, puisqu'on va continuer à attirer l'attention sur zéro gaspille et comment gérer le frigo pour que ce soit le plus efficace au niveau financier et au niveau aussi qualité de l'alimentation. Donc je crois qu'elles vont l'apprendre petit à petit. Je suppose que les étudiants vont le reproduire dans leur famille, chez eux et dans leur famille future. Et l'inculqueront aussi, j'espère, à leurs enfants. Mais ça, c'est un travail à très très long terme, évidemment. Opération Zéro Gaspille, pensez-y, pourquoi jeter les restes de nourriture alors qu'ils peuvent encore faire le plaisir des gourmets les plus exigeants?